Yeah! Oh, ça groove, hein, on se croit dans Austin Power. Écoutez-moi cette musique. Bon, salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level 1. Je suis désolé, ce jeu de voiture est pas terrible, mais alors la musique, j'adore. Franchement, c'est génial. Là, on dirait un peu les Beach Boys, il y a des moments, c'est les Shadows et tout. C'est vraiment des vieilles musiques, mais franchement, c'est super drôle. Et puis, bah, c'est pas trop mal foutu, il n'y a rien de vraiment très original. Ça s'appelle le Beetle Crazy Cup, c'est des programmeurs espagnols qui ont fait ça. C'est quand même pas tous les jours qu'on trouve des programmeurs espagnols. Et puis, ils se sont bien débrouillés et c'est plutôt pas mal. Donc, regardez, il y a plein de trucs du cross, du saut. On a vu Monster, qui est un truc assez rigolo. Voilà, ça, c'est ça, on peut écrabouiller les bagnoles. Mais en gros, c'est toujours des Volkswagen, quel que soit le modèle, c'est plutôt des Volkswagen. Voilà. Et c'est plein de sortes de petites courses avec des championnats et des trucs comme ça. Ce qu'on va faire, on va faire le premier championnat, mais avant... Oh, cette musique, écoutez. Bon, il faut que je me calme parce que bon, c'est trop bien, c'est trop bien. Tout de suite, on va commencer... Donc, je voulais faire un championnat, mais avant, je voudrais vous faire voir un petit truc rigolo. Parce que dans le championnat qu'on va faire, on ne verra pas Monsters. Est-ce que j'ai mis mon nom? Ouais, Marcus, déjà, c'est fait, c'est bon. Et on va faire Monster, vous allez voir ce que c'est. Juste pour vous faire voir un peu, parce que je trouve que c'est assez original. Prendre un truc débutant. Et voilà, voilà, regardez le genre d'engin qu'on peut piloter. Alors, à chaque fois, il y a le choix entre deux voitures. Bon, il n'y a pas grande différence entre les deux en général. Je pousse ma tête pour voir le petit curseur. Ah ben non, j'ai pas le choix. Ah oui, parce que je suis pas en championnat. Je comprends les choses au fur et à mesure. Voilà, donc là par exemple, je me mets là, c'est plus joli. Regardez un peu le parcours, c'est une espèce de cross. Il va falloir essayer de faire le tour de la piste sans trop faire tomber les plots et tout ça. One, go! Allez, c'est parti. Alors voyez l'engin, c'est quand même assez balèze. C'est vraiment le truc de construction. C'est une espèce de truc de travaux publics. Il faut que je me débrouille à être... c'est comme si je pilotais un éléphant au milieu d'un jeu de quilles. Ah voilà, et les quilles, je les fais tomber. Alors que tout à l'heure, je passais plutôt bien. Donc il faut que j'essaye de pas trop casser les trucs autour de moi. Et en même temps, évidemment, ce qui est drôle, c'est d'écrabouiller tout ce qui se trouve sur votre passage. Notamment, il y a des moments où il y a des voitures. C'est assez marrant de les écrabouiller. On va y arriver bientôt, d'ailleurs. Ouh ! Oh là là ! Tiens, regardez une voiture, attention ! Voilà, je ne sais pas qui s'est égaré là pour aller au stade voir une compétition. Mais il va regretter de s'être garé par ici. Bon, les voitures, j'ai le droit de les écrabouiller. Hein. C'est des plots, il vaut mieux que j'évite. Oh là là ! Un peu raté mon virage. Alors en fait, on va vite avoir fait le tour. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est d'essayer d'être le plus précis possible, de pas trop se cogner aux obstacles. Ah zut, on a dépassé le temps. Alors juste, j'en profite, écoutez la marche arrière. Ah non, je peux plus reculer, c'est dommage. Quand il recule, ça fait bip, 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 comme un vrai truc de chantier. Regardez un peu le truc, c'est quand même monstrueux. Je suis tout petit, moi, dans la cabine. On a droit au ralenti pour voir ce que j'ai fait un petit peu. Bon, on s'en fout, on va jouer, on va aller faire le championnat tout de suite. Sauvegarder sûrement pas, en plus c'était assez minable ma prestation. Donc on va aller faire un championnat, comme ça vous verrez 2-3 courses, vous verrez ce que ça donne. Alors, par où on sort? Exit. En général, la sortie, c'est par là. Un peu de mal à voir. Voilà, voulez-vous quitter la partie? Oui. Et on va refaire un jeu, et cette fois, on va faire un championnat. Clac, on va garder mon nom, puisque je m'appelle comme ça. Et on va faire le premier championnat, j'ai pas encore droit aux deux autres. Il faut remporter les championnats dans l'ordre pour pouvoir accéder au championnat suivant. Alors regardez, je peux changer de voiture. En gros, il n'y a que la couleur qui change, le pilotage est à peu près le même. Donc là, c'est une course de vitesse toute bête avec d'autres voitures. Alors un conseil tout de suite, si vous voulez réussir à arriver dans les premiers, il faut utiliser le frein à main tout le temps dans les virages. Alors, en gros, il ne faut jamais freiner et utiliser seulement le frein à main pour freiner, pas les freins normaux, sinon ça marche pas trop. Alors, écoutez-moi ces musiques, mais alors ça, je n'en peux plus de la musique. Bon, repoussez-vous les gars. Vous voyez que ça casse tag sec, hein. C'est pas trop de la simulation, c'est vraiment du fun pur et dur. Mais moi je trouve ça assez rigolo, les décors sont pas mal. Les voitures ont des bonnes bouilles. Bon allez, je vais aller arrêter de leur rentrer dedans, on va plutôt essayer de les doubler, ce serait un peu plus intelligent. Alors, vous voyez qu'on n'est pas obligé de rester sur la route, on peut un peu couper, peut-être pas à travers la forêt, mais à travers les prés en tout cas. Ah, il a klaxonné, moi aussi je peux klaxonner, écoutez bien. Voilà, j'aime bien quand il y a un klaxon. Ils sont sympas avec moi, tous les éditeurs, quand ils font des jeux de voiture, ils mettent toujours un klaxon quelque part. Ça permet de s'énerver un petit peu, c'est bien. Écoutez-moi cette musique. C'est country en diable. On dirait la musique de 30 millions d'amis, avec Mabrouk. Junior 3 Turbo Prime, parce que c'est comme les Street Fighter, des Mabrouk, il y en a 40. Je sais pas combien ils en sont de Mabrouk maintenant. Allez, je vais klaxonner, ça va les faire venir peut-être. Attendez-moi!
J'arrive. Moi, c'est les musiques qui me font craquer pour ce jeu parce que, bon, honnêtement, vous voyez que il n'y a rien de vraiment très original. C'est bien foutu en tout cas. J'ai pas essayé, il paraît que ça passe assez bien sur des petits PC pas trop balèzes, ce qui est plutôt sympa. C'est une bonne action de la part des éditeurs de ne pas vous pousser à acheter un énorme PC à 15 000 balles. On peut jouer aussi avec un plus petit PC. Bon, je suis quatrième, c'est pas le tout. Si je veux le remporter ce championnat, il faudrait que je m'énerve un petit peu. Donc, je vais me taire. Comme ça, je vais me concentrer un peu. Et puis, vous profiterez de la musique. Je ne serai pas le seul. Encore que ce soit pas ma musique préférée. Mais bon, allez, fais-toi, Marcus, et travaille un peu. Je peux pas m'empêcher de fredonner. Et encore, c'est vraiment pas ma préférée. Je préfère les trucs genre les Beach Boys et tout ça. Et déjà, c'est pas mal. Ah, je vous ai pas fait voir. Regardez, il y a plusieurs vues. On peut être dans la voiture. Ah là là, voilà, ça me trouble et je vais être dernier. Je suis trop gentil en fait. Voilà, je vais toujours vous montrer plein de trucs et discuter et tout ça. Et résultat, je vais me retrouver troisième avec seulement 20 points au classement. Ça va peut-être pas me permettre de remporter le championnat. Bon, on va passer tout ça. On va passer le ralenti aussi. Ah, ça, c'est 30 millions d'amis. Je suis désolé. Hein. J'espère qu'il y a des copyrights chez 30 millions d'amis parce qu'ils vont pouvoir leur réclamer du fric aux programmeurs espagnols, à mon avis. Alors, regardez, là, c'est autre chose. On garde cette voiture-là. On va pas s'embêter. C'est déjà un peu plus cross. C'est un circuit de cross. Regardez, il y a des bosses. C'est de la boue et tout. Et on doit faire 3 tours. Ça va aller assez vite. Voilà, mes petits camarades. Allez, je vais essayer de faire un peu mieux que tout à l'heure et d'être un peu plus concentré ce coup-ci. Ouh! Attendez-moi, alors vous voyez que ça se bouscule, c'est ça qui est assez sympa je trouve pour une course de voiture. C'est pas très réaliste mais au moins on se marre bien. Comment ça, 6ème sur 8, tu vas voir. On entend le public qui encourage derrière un petit peu. J'en ai bien besoin. Ah, ça remonte un peu. En fait, il faudrait que je leur fasse l'intérieur du virage si j'étais un peu plus malin. Là, je conduis un peu comme un bourrin. Remarquez, c'est payant, je suis à peu près deuxième. Mais en gros, dès qu'il y a un virage, vous voyez qu'il me rattrape. Donc, c'est un petit peu stratégique quand même pour arriver à bien se positionner. Et surtout, pas se gourer au croisement, ça m'est arrivé plusieurs fois de me tromper et de me retrouver dernier. Ah là là, non, 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 pitié. Ah non, pas ça. Alors, ça, c'est terrible. Parce que si en plus, j'arrive pas dans les premiers, je vais être obligé de recommencer la course. Oh là 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 là, on est quoi, deuxième tour, troisième tour? J'ai trop dérapé, beaucoup trop. Allez, cocotte. Septième, grand Dieu. Et à la maison, je vous jure que j'y arrivais. Hein. J'ai ouvert le deuxième championnat et je vous jure, des gens peuvent témoigner. C'est incroyable. Voilà, dès qu'il y a la télé, ça y est, il faut que je fasse mon intéressant et voilà, et je joue mal. C'est ma marque de fabrique en même temps, mais bon. Oh là 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 là, pourvu, je crois que c'était le dernier tour, donc ça va être un peu râpé. Ah, encore un tour, peut-être, je peux faire quelque chose. Oh là là, ils sont déjà au virage suivant, les autres. Et puis, je suis complètement déconcentré avec tout ça. Ça va être terrible. Attendez-moi! Non, soyez sympa, je passe à la télé, faites quelque chose. Ils pourraient au moins m'attendre pour passer à la télé aussi, parce que sinon, on les voit pas à l'écran. C'est dommage. Bon, ça va un peu mieux, mais je pense pas que ça me suffise. Si pour arriver dans les 3-4 premiers, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais je sens qu'aucun des autres candidats ne souhaite me faire plaisir. Voilà, cinquième. Oh là là, 10 points. Est-ce que je peux quand même passer à la course suivante, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, soyez sympa. Pour le toc, oui, bon, alors je suis franchement pas premier. Mais il va me laisser quand même passer à la course suivante, on dirait bien. Ouais! Super. Alors c'est une course de buggy. Donc il y a évidemment une maniabilité différente entre une voiture de cross, un buggy et puis une bête Volkswagen classique. Donc voilà, on prend plaisir à piloter comme ça, tout ça. Quand je dis que c'est pas original en fait, je suis un peu mauvaise langue parce que mine de rien, c'est pas toujours les mêmes voitures. On rigole bien. Bon, c'est un peu court, il y a 3 championnats, c'est peut-être un petit peu court. Mais voilà, plutôt bon, plutôt sympa. Sympatouille ce jeu, on va dire. Pas indispensable, mais sympatouille en tout cas. Allez, soyons prudents. J'essaie de me rattraper un peu parce que pour le moment ça n'a pas été super brillant. Je vous fais voir quand même les vues intérieures. C'est pas une bonne idée de vous le faire voir parce que évidemment ça me plante. Mais bon, au moins vous aurez vu. Il y a même une vue arrière
pour pouvoir surveiller vos concurrents. Regardez, là, ils sont tous derrière moi. Sauf un que je vais rattraper. Je l'espère. Comme ça, j'aurai un peu moins la honte. Allez, hop, hop, hop. Ah, il s'est cogné, vous avez vu. Alors, c'est pas mal parce que vos candidats, vos concurrents, compétiteurs, je sais pas comment on dit, concurrents, ouais, se bourrent aussi de temps en temps. On les voit qui se bousculent, ils se tirent la bourre eux aussi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul. C'est pas des... Vous savez, comme ils sont pilotés par l'ordinateur, ils pourraient être parfaits, jamais se gourer dans un virage, foncer comme des malades et tout. Or, c'est pas trop le cas. Heureusement, ils commettent des petites fautes. Donc, ça vous permet de vous rattraper de temps en temps. Il y a que moi qui ai vu que j'avais raté le virage ou pas. Bon, non, on va dire que non. Alors, regardez, là-haut, on voit la lune et des très, très beaux effets, je trouve, de brouillard. Il y a des très, très jolis effets de lumière et de brouillard. Notamment dans le ciel, là c'est vraiment, c'est assez génial je trouve. Alors évidemment en course on n'a pas tellement le temps de regarder ça, mais voilà, ça fait partie du charme du jeu. Graphiquement je le trouve assez réussi, les musiques aussi, l'animation aussi. Bon voilà, même si ça manque un petit peu d'originalité, ça fait quand même un petit jeu sympathique. Bon c'est pas le tout, combien reste de tours et je suis combien? Je suis Proms! Prenez des photos les gars, je suis Proms! Enregistrez, allez-y, mettez le magnétoscope, regardez! Il y a ma tête là, c'est moi qui pilote, vous voyez les touches là, tac, et je suis Proms! Arrêtez de dire que je suis mauvais. Maintenant, on a la preuve. Donc, tous les gens qui sont fans de cette émission, s'il vous plaît, enregistrez. Si je pouvais arriver premier, ce serait super. C'est pour ma fierté que je fais ça. Bon, ça y est, j'ai croisé les autres. Bon, évidemment, j'ai bien me planter sur la ligne d'arrivée ou faire une grosse bourde qui fera que j'arriverai dernier. C'est bien mon style. Première place. Je souris, c'est pour la photo. Pour ma famille, pour ma maman, tout ça. Voilà, bon, on en est où? Il nous reste combien de temps? Oh, encore une petite course pour la route. Ce sera la dernière. Et il y a peu de chances que j'arrive premier au championnat. Voilà, j'ai encore besoin d'entraînement. Voilà, c'était la dernière course du championnat. Ce qu'on va faire, on va aller se faire une petite course au hasard. Allons voir ça. Ah oui, regardez, il y a multijoueur. Là, je ne le fais pas parce que je ne suis pas connecté en réseau. Mais on peut jouer avec des copains. Et on peut jouer, ah oui, j'ai oublié, surtout à deux avec un écran séparé. Donc ça, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas fait le truc de saut. Jump, regardez, il est là. C'est une autre petite épreuve. Faire débutant parce que je débute. Par contre, je sais plus où j'ai foutu la touche de turbo. Bon, on va trouver. Là, il s'agit de faire un saut le plus loin possible. Donc, on va essayer de vous montrer ça. Regardez un peu la bagnole, c'est pas mal. Voilà. Alors, faut bien prendre de l'élan, bien négocier le virage et attendre que le turbo soit prêt. Regardez, c'est vert en haut à droite. Je peux y aller. Allez, c'est parti. Il faut que je fasse 55, je ne sais pas quoi, peut-être des miles. 54-76, je suis dégoûté! On veut m'humilier, voilà! C'est un complot contre moi, du FBI, des X-Files et tout ce que vous voulez. Allez, je recommence. Oh non, non! Pas sauvegarde! Voilà, Dedek, nouvel essai. Peut-être de réussir ce coup-ci. 2, 1, go! Allez, c'est parti. Alors, regardez bien à droite, c'est l'indicateur de nitro. Quand il va passer au vert, ça voudrait dire que je peux l'utiliser. En fait, il faut que je. Allez, c'est parti! Elle me fait pas 54,99, sinon je suis dégoûté. 58, beau saut champion. Merci, c'est sympa. Bon voilà, comme ça vous aurez vu en plus cette épreuve là. Donc bah rigolo en fait, le fait de pouvoir avoir plein de petites épreuves différentes. Et oui, et on peut jouer à deux en écran splitté, je l'ai déjà dit, je sais plus. Voilà, allez, on va terminer sur une course. N'importe laquelle, Monster, c'était rigolo. Juste pour que ce soit joli, je vais faire semi-pro. Tiens, au lieu de semi-remorque. En plus, voilà, je fais une vanne foireuse et du coup, je me perds. Semi-pro. Ah non, j'ai pas le droit parce que j'ai pas gagné débutant. Oh là là là. Bon, allez, de toute façon, on va s'arrêter là. Je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. C'était Marcus dans Level 1 avec Beetle Crazy Cup sur PC. Un bon petit jeu bien sympathique. Allez, soyez sages. À bientôt. Je vais partir en reculant. Au revoir. Vous entendez le bruit ?